Classe de 6e qui vont vous présenter et vous définir quelques sports des Jeux Olympiques, et ainsi qu'une démonstration de judo qui sera faite par la section sportive judo du collège. Merci à vous. Le judo est une discipline japonaise. Le judo est un art martial dérivé du jujitsu, créé au Japon par Jigoro Kano lorsqu'il ouvre son premier dojo en 1882. Judo signifie en japonais la voie de la souplesse. Mais ce sport en lutte traditionnelle ne se limite pas qu'à cela et demande un investissement physique considérable. Jigoro Kano allie au principe philosophique du judo une rigueur physique, morale et intellectuelle, tout en retirant de son art les aspects jugés dangereux du jujitsu. Du judo, prônant un enseignement de valeur morale, des pénalités peuvent être données aux combattants trop passifs ou adoptant un comportement contraire à l'esprit du judo. L'entrée du judo aux Jeux Olympiques. Ce sport fait son apparition au JO de Tokyo en 1964 et ne quittera plus le programme olympique. Le judo féminin fait son apparition au JO de Barcelone en 1992. Cet art martial est dominé par le Japon, qui a remporté 96 médailles, suivie par la France, 57 médailles, et la Corée du Sud, 46 médailles. Le para-judo à Paris en 2024. Le para-judo est l'un des deux arts martiaux présents au judo aux Jeux Paralympiques. Il est destiné exclusivement aux sportifs en situation de handicap visuel et suit les mêmes règles que le judo olympique. Ne pouvant visualiser les déplacements et les préparations d'attaque, les judokas développent des qualités de proprioception et de sensations élevées. Bonne démonstration à vous. Thank you.
Allez,
maintenant, c'est tout sur l'avant. Et une répétition et une chute. Et un et deux. Et on fait voler, on fait voler. On fait voler, Nicolas. Voilà, très bien. Attention à l'autre. À l'autre. Et...